Salut tout le monde, c'est Pixie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 24 de Mother 3. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis désolé, voilà, il y a eu deux épisodes qui ont sauté, même peut-être plus. Non, je pense pas plus. Je sais qu'il n'y en a pas plus, mais on sait jamais. Mais voilà, je suis désolé. Je me suis fait opérer des dents de sagesse, j'en avais parlé. D'ailleurs, j'ai encore un petit peu les séquelles, c'est-à-dire que je suis un peu gonflé. J'ai du mal à parler encore. Ça va faire 5 jours bientôt. Mais c'est une blague, arrêtez. Et du coup voilà, mais j'avais quand même envie de vous tourner cet épisode parce qu'il faut vraiment que je me remette dans le bain. Faut pas trop que je n'y joue pas pendant longtemps et surtout, faut pas trop perdre de vidéos quoi. Enfin, faut que j'essaye de garder le rythme. Donc voilà, c'est très important. La dernière fois, on s'est arrêté ici, souvenez-vous. Par mesure de sécurité, nous allons aller dans cette piscine. Je ne sais plus du tout si on avait tous nos PV, mais voilà. Et je suis content de vous reprendre. Donc, on fuyait un petit peu façade. Enfin, en tout cas, les masques portent. Et voilà, on va continuer à grimper, mais on ne peut pas courir, donc montons. On va voir la suite tout de suite. La suite tout de suite, tiens, c'est très beau ça comme phrase. Alors, oula. Ok, donc on a... Oui, bon. Oui, merci. Oula. Alors ça, c'est des ennemis, ça, je suppose. Affronter un court-circuit son acolyte. Ok, donc ça je le sens mal pour le coup. Les ennemis électriques là, je sens qu'ils vont nous poser pas mal de problèmes. PK YouTube, allez c'est parti, on va prendre assez fort. Monter des trucs. Alors qu'est-ce qui pourrait marcher contre l'électricité? Pas la foudre, parce que du coup la foudre ça va... On va les renifler. Parce que la foudre, ça va les alimenter, je pense. Ça va genre les... Peut-être leur donner de la vie. Une herbe à la glace. Ok, j'ai bien fait. Ok, ça va. Ah bah, ils utilisent des PK foudre. Ah ouais. Ouh lolo lolo. Faut vite les éliminer. Ah ok, ça va. C'est pas si compliqué que ça. On va vite fait les tuer, quoi. Vas-y, frappe. Toi, Pega Glace. Ok. Bon, je faut quand même que je me heal parce que, n'empêche, ils n'ont pas beaucoup frappé, mais ils ont fait mal. Oui. Et moi, un psy. Ah, je sais pas ce que c'est ça. On va plutôt utiliser. Ça. Ah, ok, non. Pardon. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette attaque bizarre là? Ah, c'est pas là. C'est là. Je vais y arriver. Alors, aimant, apsi, drain 2 à 8 pp d'un ennemi. Ah, intéressant. Très intéressant même. Ah non, il va en avoir plein, vous allez me dire. Ah, purée. Ah, ouch. Eh Nino, est-ce que ça va? Ok, en fait Nino, comment dire, c'est un peu la grosse victime, mais bon, tant mieux. PK Flash, ah ouais, ok. Très bien. Ok, c'est violent quand même, hein, le pauvre garçon. Ouais, désolé, hein, pour toi mon gars, c'est... Et il sauvegarde. Bon alors, je devrais peut-être les tuer, mais honnêtement, j'ai pas envie quoi. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus de cette tour quoi. Ah oui, donc comme d'habitude pour les épisodes, je vais le rappeler à chaque épisode, mais parce que je me dois de le dire quoi. Je suis pas en condition, je suis pas coiffé, je suis rien. Donc, je mets la facecam, mais je devrais pas. C'est avec ma tête actuelle. Voilà. Bonjour monsieur. Vous êtes qui vous? En fait, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance hein. Simple fait que vous ayez réussi à aller si loin est épatant. Ce qui vous rend épatant. Je crois que je vous aime. Je m'appelle Mouton. Ne m'en demandez pas plus. Essayez d'avoir l'air mystérieux et ça c'est ma passion. Il fait du... Individu suspect est détecté dans la salle du générateur. Activation du système de défense. Je le répète. Activation du système de défense. Courez. Tous les personnels seraient gentils d'évacuer les lieux immédiatement.
musique. Grave bien. Ok, let's go. Un boss, ça a l'air d'être un boss assez puissant en plus. Toujours avec l'électricité, donc j'imagine que son il est faible à la glace. Donc. Ouf. Si on essayait ça, tiens. On va se buffer un tout petit peu. Enfin, en tout cas, on va diminuer son attaque. Ensuite. Non, pas encore. Non. Attendez. Défense diminuée, voilà. Non, peut-être attaque diminuée, parce qu'on a déjà fait défense diminuée. Toi, on va renifler pour être sûr. Ça fonctionne pas, malheureusement. Non, mais la glace, ok. Il entend son cœur. Ok, il pleure. C'est vrai que la musique est grave bien. On s'est pas vraiment trop penché sur les musiques, mais. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui pourraient nous servir. Ok, non. Nickel. Oula. Très bien, donc il peut nous renvoyer des dégâts. Pour le moment ça va, on va pas crier gaffe. Enfin on va pas crier victoire tout de suite hein. Loin de là. Alors qui sait qui est. Voilà, Léa clairement elle a pas beaucoup de PV donc si on pouvait tenter de la soigner un petit peu, enfin faire en sorte qu'elle qu'elle puisse être assez puissante, parce que c'est surtout elle qui est intéressante quoi. Arnicar, je compte sur toi avec les nouilles au port. Voilà, encore une fois. On m'a conseillé de pas non plus trop axer sur les stats. Que ça pouvait peut-être des fois me poser problème. Je vais essayer de faire un petit peu attention, là je fais beaucoup mais. Un minimum quoi. Voilà, par exemple là j'essaie de frapper. Hop. PK glace. Je vais essayer de faire flash aussi après. On va attendre un petit peu mais. Aïe. Oula, ça c'est nouveau ça. Oula. Wow. Non, non, non. Enfin, non, non. 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 J'aurais dû me dépêcher de faire au lieu de faire de la merde. Tiens, tu m'as cru. Ah mais là clairement je. Prendre des méga risques parce que. Ok super. Mais arrête de te soigner. Ouf. Alors d'où? D'où t'es plus rapide en fait. Alors voici le combat le moins badass de l'histoire. On est en train de se faire défoncer. Et comme ça j'apprends un peu cette attaque quoi.
Du coup, ouais. C'est un peu complexe, on va dire. Déjà, est-ce que avant que je lance le combat, tout le monde était. Ah ouais, elle était pas soignée au max. On n'a rien vu, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, les amis. Je pense qu'il n'y a rien qui s'est passé, vraiment. Hein. On n'a clairement rien vu. Ah! Oh! J'avais oublié ce truc. Ouais, j'avais oublié ça. Ah merde. Attendez. Oui, je dis oui, c'est gagné. Non, attends, calme-toi. Oh, mais. Je fais n'importe quoi, c'est un truc de dingue. On va faire une compilation des moments où j'ai fait n'importe quoi dans Mother 3. Clairement, parce que là. Qui c'est qui avait la. J'aurais dû en acheter pour tout le monde, parce que là, voilà. C'est là. Non, Léa qui est clairement la plus importante, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était le mauvais bouton. Ghost frappé. Moi, j'avais dit Ghost frappé. Au boss, on ne perd pas tant de défense que ça, en fait. Ouais. Alors, c'est des tuyaux, donc d'où tu sors des tuyaux comme ça, en fait? Yes. La musique, par contre, toujours aussi badass. Par contre, à la limite, ça, c'est cool. C'est quand même une bonne musique, du coup, ben, t'es bien ambiancé. Alors. Est-ce que baisser son attaque, c'est vraiment important parce que lui, il fait des attaques psy. Alors, est-ce que quand tu baisses l'attaque, tu baisses l'attaque psy? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Ah, bon, commencer par ça, ensuite. Ça. Ensuite, toi directement tu fais PK glace, je cherche pas à comprendre. Et toi directement tu fais morsure. C'est bon, la défense. Dans tous les cas, je suis sûr que ça marche. Qu'est-ce qu'il a? Il pleure. Ok, comme tout à l'heure. Attaque augmentée. Gabriel, attaque. Alors, glace, et toi. C'est bien, tu rates. Nino, après, c'était une bonne chose finalement qu'il soit dernier. Je m'explique parce que là par exemple on va tenter un truc. Un coup de génie. Attends, un petit coup de génie. Non attendez, qu'est-ce que je fais là? Attendez, parce que. Il y a un truc que j'ai. Ouais, non, j'ai rêvé. Je pensais avoir une attaque qui rendait tous les PV à tout le monde en fait. Mais je l'ai rêvé, je l'ai pondu en fait. D'accord, bon. Parce que du coup, j'aurais dit, on aurait fait cette attaque là qui pourrait rendre des PV à tout le monde. Enfin, un petit peu de PV à tout le monde. Comme ça, en cas il tue quelqu'un, et ben Nino il peut rapidement le soigner quoi. Et du coup, je peux pas savoir à l'avance. Enfin, qui c'est qui va mourir quoi. Allez. Il est chiant à faire ça. Ok, il a accumulé l'électricité, ça veut dire qu'il va faire son attaque là. Ça, je le sais du coup. Donc là, par exemple, pourquoi pas, on se dirait. Bah, on sait que son attaque, elle fait beaucoup de dégâts. Elle fait 120, je crois.
Gabriel, il va peut-être y passer. Et Ornicar aussi. Pourquoi pas, on se dit. Soignons-les. Soignons Gabriel. Gabriel, il va attaquer. Toi, Léa, tu fais rien. Du coup. Enfin, si, tu fais péga glace, mais tu soignes pas. Et toi, Ornicar, tu te soignes toi-même. T'es un grand garçon. Tu peux le faire. Pas un grand chien, du coup. Donc, lui. Voilà. Là, ça va tuer Gabriel, normalement. Oh, genre, je suis. Voilà. Allez, vite, vite. Et là, il est comme ça. Et là, Nino. Nino, il soigne. Gabriel, dépêche-toi. Mais, genre, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, il peut pas bouger. Ah, c'est bon, il va bouger. Je sais pas, là, je... Allez. Je suis désolé, je parle pas, mais voilà, Cornicar, c'est qu'il a des PV max de merde. Hein. Ornicar, je suis désolé, mais. Enfin, je crois, hein, mais. Pas contre toi, mais c'est juste que. Voilà, quoi. C'est assez dérangeant. Ouais. Et c'est vrai que j'avais un truc, là. Un objet contre les appareils robotisés. Ça pourrait être intéressant, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Tiens, vas-y, chef. Ah non, avec tous les pp que ça me coûte, tu dis pas ça s'il te plaît. Hein, hein non mais oh. C'est pas pour qui lui? N'importe quoi. Hein. J'ai pas PK Glass version version cheaté, la mort hein. Non. Malheureusement non. Toi du coup. Aïe. J'aurais peut-être pu soigner Gabriel. C'est vrai que. Arrête d'attaquer Nino là. Yes. Qu'est-ce qu'il a? Engourdi. Ça c'est intéressant. Ça, l'engourdissement. J'arrive à parler. C'est intéressant. Alors ensuite maintenant. C'est quoi Gabriel? Nino. Carte quiz. Hop. Ouais. Ensuite, toi tu frappes. Toi tu. Léa, franchement, elle s'en sort super bien. Avec sa petite cape là, enfin j'ai pas vu vraiment que ce robot l'attaquait, mais oui, pour le moment j'ai l'impression qu'elle s'en sort très bien. Et c'est la dernière nouille au bord, donc c'est dommage. C'était pour Nino, j'ai soigné avec. Ouais, je crois que j'ai soigné. Voilà. Aïe. Ah, il va bouger, ah, ça c'est génial. Merci. Enfin, merci du coup, oui, merci. Oui. Psi, 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 psi. Non, 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 on va pas utiliser. On va vraiment utiliser la psy pour se soigner. Ou pour flash. Hop. PK glace. Ou alors. Qui est le plus. Ah, il y a. Non, non, c'est bon, ça va le faire.
Parce qu'avant de faire sa super attaque, il le dit quand même. Il peut vraiment pas bouger, c'était plutôt génial. Allez, on va continuer à. On va réitérer cette. Pour le moment, ça marche plutôt bien. T'as même pas un petit truc. C'est vrai que là du coup un Icar il a peu qu'une utilité, enfin il tape pas très fort. Et j'ai plus assez. J'arrive même plus à faire des combos, c'est dingue. Alors ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je répare peut-être encore un petit peu de Nuyoport. Pour toi. Toi tu frappes. Ouais, tu fais pique à glace. Tu frappes. Ah, d'accord, au calme. Ok. Ok, donc vous voyez quand on s'y prend mieux. Donc là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est déchargé et. Ok, génial. Bon, ça va. Vous voyez quand on s'y prend mieux, c'est. Bah, j'ai un peu plus réfléchi quoi. Je suis pas allé en mode bourrin, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai pas fait trop les stats, vous voyez. C'est vraiment quand on essaie de réfléchir un peu plus. Et puis j'ai pas vraiment beaucoup plus réfléchi quoi. Bon, un minimum. Une erreur sérieuse est survenue au niveau du dégénérateur. Du générateur. Une erreur sérieuse. Ouais. Tout le personnel doit évacuer les lieux immédiatement. Ah, c'est plus gentiment du coup. Vous serez gentil. Ok. Ah, vous. Comment osez-vous détruire un de nos systèmes vitaux? Arrête de bouffer des bananes. Je crois que, comme on dit, les fous tels la fumée aiment les hauteurs. Ah oui, non, mais là, on doit être tout en haut, plus haut du plus haut, là. Ah oui, non, mais... Suicide, non? Bonjour. Pauvre petit être pathétique. Vous ne pouvez plus fuir maintenant. Ouais, tu vas faire quoi du coup? Vous avez été particulièrement nuisible pour nous, vous le savez ça? Le plus lourd dans tout ça, c'est que tout ce bonheur aurait pu être le vôtre si vous vous étiez contenté de rester vivre tranquille à Tazmili sans vous soucier de rien. Très bien, donc tout est prêt. J'en aurai bientôt terminé ici. Placez le vaisseau truie en stationnement là-haut. La tour du tonnerre est hors d'usage. Mais c'est l'occasion idéale pour vous tous de vous éliminer en un tour de main. C'est beaucoup d'honneur pour trois pauvres rats, mais notre roi aime les choses flamboyantes. J'ai donc décidé que vous et la tour du tonnerre alliez disparaître ensemble, dans un seul grand flamboiement. Moi, je crois que je suis attendu. A plus tard, les amis. Sa peau de banane. Il va marcher dessus. Ok, tout est bon. Ordonnez la destruction. Bien, Nino. On ne se sera pas connu très longtemps, mais ce fut amusant. Je ne vous oublierai pas, les gars. Voilà. Qu'est-ce que. J'en étais sûr. Non! Vite, attrapons-la! Serpent de corde à toi! Oh! Oh! Est-ce que. Ah oui! Il essaie de nous faire lâcher prise! Nino! Léa! Ornicard, tenez bon. Ouais, là, c'est chaud, là. Ornicard, il se tient avec sa mâchoire. Il bouffe, là. Gabriel, c'est moi, le serpent corde. Je sais que ce n'est pas trop le moment pour discuter, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle pour moi, c'est que même si on ne se connaît pas depuis longtemps, je suis maintenant un personnage central de l'histoire grâce à vous. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ma mâchoire ne peut pas supporter le poids de trois personnes et un chien.
En d'autres termes, ma mâchoire, elle éteint ses limites. Non, c'est littéralement à se décrocher la mâchoire. Non. RIP. Des pantins mouvants, faits de bouts de terre, une tour pouvant foudroyer sur demande, un vaste réseau routier, des vaisseaux qui traversent le ciel, l'ennemi contre lequel Nino et ses compagnons doivent se dresser a pris des proportions absolument gigantesques. Aurait-il la moindre chance face à un si vil et puissant Némésis? Non, le bon sens doit être ignoré en de pareilles situations. Même si les chances de victoire ne sont que d'une sur un milliard, ça signifie qu'il y a toujours une possibilité de renverser complètement le cours des choses. Nino, Léa et Gabriel seront-ils séparés à nouveau? Ou travailleront-ils main dans la main pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin? Depuis le vaisseau volant, un homme masqué aux traits juvéniles observe Nino et ses amis de haut. Le récit en arrive à son prochain chapitre, avec la promesse quasi certaine de batailles bien plus intenses que jamais auparavant. Intéressant tout ça. Hop. Oui, bien sûr, évidemment. Des chiens de tournesol. C'est beau le ciel, oula. C'est de l'eau, c'est quoi? Ah non, d'accord, c'est. Ouch. Ok, donc là, on va pas très bien, je pense pas là. Ah quoique. Ah si, c'est bon, ça va. Nickel. Ah, je peux bouger, ok, j'étais en mode... C'est beau, hein. Ça, c'est vachement beau. Je peux courir? Non, je peux pas courir. C'est-à-dire que le jaune est une de mes couleurs préférées, donc c'est vrai que... Puis là, je trouve que l'effet est super joli. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est mort? Est-ce que je sais pas, c'est très bizarre ce qui se passe ici. Bon, les nuages, voilà. Là, clairement, en fait, on s'est donc face à des morts, a priori. Hein, à tomber de cette hauteur-là. Mais en même temps, il a mis une peau de banane, le con. J'avais été sûr, j'ai vu une peau de banane à côté de lui. À 2 pixels, je me suis dit, non, c'est bon, il va marcher dessus, il va glisser, il va tomber. Du coup, voilà, je vais dire chais pour lui, hein, coup dur, hein, désolé. Hein. Par contre, nous, du coup, bah, on n'est pas mort, mais on n'est pas mort, je sais pas, c'est bizarre. Si nous, on n'est pas mort, est-ce que Vasad est mort, du coup, enfin, je sais pas. Enfin, bref, c'est assez long, et je n'ai pas comblé ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, il s'arrête. Ah. Oh. Nino. La musique qui bug un peu, c'est un peu... Qui m'appelle? Ah non, arrêtez! Ah non, 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 non. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était un flashback, c'était quoi? C'était un. Je ne vais pas bouger. Ah! Un Icar.
Ah oui, il va être triste tout seul. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça fout les frissons là. Non! Reviens! C'est super joli. Oui, on court vite. On vient de sauter. J'ai pas compris, j'ai on vient de sauter en fait. On voulait sauter pour la rejoindre. Quoi? On vient de skipper un chapitre comme ça? Attendez, quoi? Quoi? Oh non, me dites pas que j'ai raté un truc, s'il vous plaît. J'espère que c'est pas ça. En tout cas, c'est très bizarre là, ce qui vient de se passer. Oh là 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 là. Ah, tu es enfin réveillé. T'inquiète pas, Ornicar est en pleine forme lui aussi. Mais attendez, mais j'ai du mal à saisir tout de suite là ce qui vient de se passer. Dans un rêve que j'ai fait, Lise m'a dit d'amasser du foin à cet endroit précis. Elle vous a sauvé la vie. Waouh. Étrange. Liz est apparue dans le rêve d'Alec et lui a dit d'amasser du foin à cet endroit. Ensuite, dans le monde réel, d'un coup, vous tombez de tous les deux dans le tas de foin. Il n'y a rien de plus étrange que cette histoire. Mais. Comment ça, on vient de skipper un chapitre? En fait, Gabriel était avec vous? Oui. Bah, je vais mentir. Hein. Ah, je m'en doutais. Mais je ne. Je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. J'en parlerai à Wes. Nino, je crois que tu as rencontré un de mes amis magiciens. Ah oui, il a bien rencontré, oui. Ils n'ont peut-être pas l'air, mais ils sont dignes de confiance. Ils pourraient peut-être t'aider. Ouais. Je suis sûr qu'il va bien. Ouais, il m'a bien rencontré, quoi. On va dire ça. Bon, bah, je sais pas combien de temps d'épisode on est, mais je... Je sens que c'est voilà, c'est très très prochaine fois. Alors ouais, alors je suis totalement décoiffé. Enfin, je fais même plus attention à mes cheveux quoi. En plus la luminosité est vraiment pas ouf. Enfin, vous savez l'histoire. J'ai pas vraiment envie de m'arrêter honnêtement. Et puis ça fait longtemps que vous avez pas eu d'épisode alors. Ça va mieux maintenant. Essayez d'être un peu moins imprudent, d'accord? Oh, elle se calme elle. J'aime faire des jeux avec ma petite fille. En particulier. Colin répare, 1, 2, 3, balaye et touche la V. Tiens, Ornicar. Ah, et toi aussi, Nino. Je rends visite à ma mamie. On fait des jeux comme Colin répare. Oui, bon, oui, d'accord, ok. Ah. Waf, waf. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, on a bien vu que... Alors...
J'ai pas vraiment très fait attention, mais je crois que les masques porcs sont entrés dans le château. Qu'est-ce qui se passe? Ornicar, t'es où? Ornicar? Il est là? D'accord, donc. Absolument pas. Ça me paraît être au courant de ce qui va se passer, mais bon, c'est pas grave. Ornicar, où es-tu? Ah! Il est en accord. Mais Ornicar, t'es où? Genre, il est parti, mais. On est d'accord qu'il est parti de ce côté-là. Ah, il est parti de ce côté-là pour descendre. Ouais, c'est vrai que je suis con. Je sais pas. Ah, oui, c'est là. Oula! Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh j'ai retiré le bâillon tout seul. J'ai juste déplacé la bouche de haut en bas comme ça. Et ça, il est tombé en douceur. Oh, c'est formidable. Désolé de t'embêter, mais tu peux me relever. Merci chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vaguais tranquillement à mes occupations. J'étais en train de me démaquiller. Quand soudain, j'étais agressé physiquement. Ah, c'est le pire moment pour être attaqué. Oh, ça par exemple. C'est le garçon que j'ai rencontré aux sources chaudes, pas l'autre jour, pas vrai? Il semblerait que les fils du destin nous aient conduits l'un à l'autre de nouveau. Dès l'instant où j'ai pris conscience que tu pouvais utiliser ta psy, j'ai su qu'il y avait quelque chose entre nous. Tu es sans doute celui que nous, les magie psy, attendons depuis des dizaines de milliers d'années, pas vrai? Tu le sens toi aussi? Sens-tu le moment se rapprocher? Ah, ça ne fait rien, si tu ne le sens pas, je n'en suis pas entièrement certain moi non plus. Attends un peu, si j'ai été attaqué, est-ce que ça voudrait dire que. J'espère que Oli va bien. J'aimerais pouvoir voler jusque chez lui, mais c'est impossible, je ne suis pas maquillée. La seule chose que je puisse faire, c'est marcher comme un humain. C'est si triste. Oh, peu importe, je marcherai là s'il le faut. Et toi aussi, viens avec moi. Allons, partons chez Oli, d'accord? Oui. Magnifique. Faisons un peu de magie tous les deux. Je dis ça dans un sens amical. Ah, un nouveau perso, yeah! Enfin, un nouveau perso. Qu'on n'avait pas encore joué. On pourrait facilement atteindre la maison de Oli en remontant la rivière, mais. Attendez. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous parlez. Mais si vous devez remonter la rivière, c'est notre moment de gloire. Allez, suivez-nous. Ah, ils ont pas un radeau ou hein, une connerie comme ça, eux. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Problème, hein? Ah, tour de bateau, voilà. Yeah. Vous montez à bord, bien sûr. Oui. Il est toujours dans le style. Ah ouais d'accord, ok. Oui alors dans ces cas-là quel intérêt de faire un pont du coup? Ouais je sais pas. Oui non ok. Non mais tu pouvais faire le pont enfin comme ça quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Ah on est à côté du château du coup. Château de Soé. Ça a l'air quand même d'être un lieu assez important dans l'histoire. Les grenouilles spéciales, bizarre. Oula. Alors oui, du coup, ouais. Dommage que tu puisses pas faire des trajets. Ah non, ok, tu t'es juste. Je peux leur parler. On a l'air de faire des tours de bateau. Ok. Quoi? Ah, c'est pour passer. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de passer du coup moi? Je sais pas, on va aller voir vite fait mais. Ah pff, la flemme, allez. On va aller chez eux. Chez les magie psy, c'est pas loin. Ah oui, il y a la chance. Mais on ne s'est pas blessé, on n'a rien. Ok, alors. Bonjour. Ok, qu'est-il arrivé? Pourquoi n'étais-tu pas maquillé, Yoni? Alors, c'est Yoni ou Loni? Non, je pense que c'est Yoni. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Yoli. J'ai été attaqué. Alors, je me suis précipité ici pour voir si tout allait bien pour toi.
Tout va bien. Je suis aussi ravissant que je l'ai toujours été. Mais laisse cela. Pourquoi n'enlèves-tu pas ces cordes? Oh, j'étais tellement pressé que je n'avais pas même, j'avais même pas remarqué. Je suis choqué. Lino, peux-tu me détacher? C'est incroyable, tu n'as aucun sens de la courtoisie. Oh. Oh, quelle est cette charmante personne? Ah, mais c'est moi sans maquillage. Je suis sexy même sans maquillage. Il attend toujours un peu à nous parler. Ravi de te rencontrer. Je suis Oli, un des magipsies. Le destin t'a amené ici. Oui, je le sens. Oh, je suis tellement heureux. D'accord. Juste une petite seconde. Voilà, c'est fait. Je suis beau à nouveau. Pouah. Tu peux garder ce rouge à lèvres. Les baisers indirects avec d'autres filles, ce n'est pas mon truc. Oh. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas l'idée de bouger, de... Oh, je te suis allé au lit. Ton corps, il commence à disparaître. Mon Dieu. En effet, elle disparaît. Je disparais, mais je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire... L'épée de la Triforce. Non, c'est pas ça, non. Non, on dirait une sorte de petit tuyau double côté. L'aiguille du château. Ah non, c'est une aiguille, ok. L'aiguille du château de souris que je protège depuis si longtemps. Quelqu'un l'a retiré. Ouais, bah voilà. Une personne capable de retirer les aiguilles s'est enfin révélée. Le dragon ténébreux rendu enfermé par cette aiguille va s'éveiller. Thanos, c'est toi? Aussi stylé, hein. Vous pouvez emprunter ce passage souterrain pour accéder à la cour du château d'Osoé. Si l'aiguille a réellement été retirée, je vais bientôt disparaître complètement. Mais il serait sage de savoir qui l'a retirée. Est-ce un être doté d'un cœur sombre ou d'un cœur pur? La réponse pourrait totalement déterminer le destin du monde. Oh, ainsi, aujourd'hui est le jour où je disparais. Yoni, je sais pas comment, est tout né. Bye bye. Et Oli? Tu es une personne chaleureuse. C'est pour ça qu'on s'entendait si bien. Qu'est-ce qu'il a laissé? Bon, suivons ce chemin qui mène à la cour du château de Zoé. Évidemment, il y aura des monstres, à mon avis. Qu'est-ce que c'est qu'il a laissé? Vous vous souvenez le souvenir d'Eoli. Le souvenir d'Eoli, un rasoir et un rouge à lèvres. Pourquoi c'est pas dans les objets qui sont... Je sais pas. Alors. J'aime bien comment il marche. Ah oui, évidemment, donc oui, c'est... Ah, j'ai des monstres. Un tout en chaton et son acolyte attaque par derrière. Ok. Alors. On va voir. Ah mais il est pas... Ah ok, je le contrôle pas, mince, je pensais que je pourrais le contrôler Mais non, en fait il est comme... Enfin non, même pas, il est même pas dans le combat, il est où? T'es où mec? Ah ok, il saute. Ah ok. Pas ouf quoi, je vais pas être méchant mais c'est vrai que... Du coup on va s'arrêter très rapidement parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, on a... Enfin même on a fini deux chapitres quoi, j'ai pas trop compris cette histoire. Mais certes, il s'est passé un truc. Du coup, voilà, on va
s'arrêter là les amis. J'espère que quand même la vidéo vous a plu. Bah franchement je trouvais ça vraiment très émouvant. Enfin ils arrivent à transmettre des émotions à travers vraiment ce jeu. Et même si c'est des bouts de pixels, c'est des pixels comme tous les jeux, mais là c'est vraiment des pixels. Bah ça se voit bien que c'est un jeu quoi. Enfin voilà, c'est pas des graphismes de fou. Moi j'ai toujours dit de toute façon les graphismes ça vaut rien quoi. Le jeu il peut être génial sans pour autant avoir des graphismes de fou. Après, chacun est en capacité d'avoir son propre jugement sur cette question là. Mais honnêtement, là quand vous voyez ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est compliqué de discuter. Enfin, je sais pas, moi je trouve. Ok, yes, vas-y, il nous fait une petite danse. Je trouve que. Bref, je sais même pas, j'arrive même pas à parler. Ça transmet des choses, ça. C'est hyper attachant, hyper émouvant. Et vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Je vous laisse là. Hâte de tourner la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. 45 minutes, 46 minutes. Moi, j'ai pris un bon moment de plaisir. Et regardez. Yoni. Aussi, je crois que c'est belle Yoni. Donc, je vous laisse là. Bye tout le monde.